Et puis enfin, on se quitte avec ces belles images d'un jardin hors du commun. À Wavrin, Brigitte et son mari ont créé un espace de 900 mètres carrés, tout en longueur et en plein centre-ville. Mais ici, on se croirait tout de même dans le jardin d'Éden, avec des dizaines de massifs, de fleurs et de senteurs, récompensés d'ailleurs le mois dernier par le concours national Jardiner Autrement. Un prix qui met à l'honneur le jardinage sans pesticides, en privilégiant les engrais naturels comme le compost. L'objectif étant de protéger la biodiversité en ayant une démarche éco-responsable. Brigitte et son mari font d'ailleurs visiter leur jardin tout au long de l'année en donnant des conseils aux passionnés de jardinage qui rêvent aussi d'une telle réussite végétale. Brian Bock est allé lui voir s'il avait la main verte à Wavrin et on écoute le mari de Brigitte qui revient sur ce travail, cette passion au quotidien. On ne compte pas nos heures parce que le résultat est tellement beau que ça nous permet. On oublie un petit peu tout ce qu'on a fait, quoi. On oublie quand on voit qu'avec les photos qu'on a faites au début, qu'on se rend compte qu'on a beaucoup travaillé. Mais pour l'instant, c'est plus vraiment du travail, quoi. La récompense, c'est quand les gens viennent et ils disent que c'est beau. On oublie un petit peu toutes les heures à passer, à monter dans les arbres, à couper les buis, à faire les chemins, à nettoyer les massifs. Voilà, tout ça, c'est oublié parce que voilà, le résultat est là,